Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. I greet us all in the name of Jesus. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. I thank God for giving us this wonderful day. Je remercie le Seigneur de nous avoir donné cette grande journée. As well as our spiritual parents. Je dis aussi merci à mes parents spirituels. For the privilege that they've given me. Pour les privilèges qu'ils m'ont donné. To share the word of God. De partager la parole de Dieu avec vous. Amen. Amen. We are going to start our service. Nous allons commencer notre service. We greet you also wherever you are in the name of Jesus Christ. Je vous salue tous partout où vous êtes au nom de Jésus-Christ. We thank you for setting us in your home today. Nous vous remercions pour être là, connecté avec vous dans vos... To share the word of God with you. De partager la parole de Dieu avec and vous. And to pray together. Et de prier ensemble. Amen. Let us worship God. Adorons le Seigneur. We bless your name. Oh, mighty God, we love before you. We bless your name. We bless your name. Let us thank him for the strength that he has provided us with. Remercions le Seigneur pour la force qu'il nous a donnée. Let us worship him for the beauty of his holy name. Adorons l'Éternel pour la bonté de son nom. Au nom de Jésus, prions. Alléluia. Adorons le Saint-Esprit. Oh, La société, 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 la société,
Nous allons
In Jesus' mighty name we pray, we say Amen. Au nom de Jésus-Christ que nous avons instituée, nous disons Amen. Amen. We are going to share the word of God quickly before we pass through prayer. Nous allons partager la parole de Dieu rapidement avant de passer à la prière. We are going to conduct a mass intense prayer. Nous allons conduire la prière de masse. But before we pray, avant de prier, let us share the word of God quickly. Partageons un peu la parole de Dieu rapidement. Amen. Amen. We thank God for the past week. Nous remercions le Seigneur pour la semaine passée. Our spiritual father blessed us. Notre papa spirituel nous a bénis. In our school of faith. Dans notre école de la foi. We learned. On a appris. That faith. Que la foi. It is the evidence. C'est l'évidence. Of the unseen. C'est chose qui est invisible. Amen. Amen. Today. Ce soir, we are going to share quickly. Nous allons partager rapidement. On one of the topics that our spiritual father shared with us. Parmi les sujets que notre papa avait partagé avec nous. Overturning the mountain of our lives. Nous allons dominer les montagnes, renverser les montagnes dans nos vies. Amen. Amen. When we're talking about mountain of life. Quand nous parlons des montagnes de la vie. We see that. Nous voyons que. Every Christian or every born again Christian. Tout celui qui est né de nouveau qui est chrétien. We are called for that. Nous sommes appelés à ça. The moment we accepted Christ Jesus as our Lord and Savior. Le moment que nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Persecution. Persécution. Criticism. Critique. Challenges. Les challenges. Hardship. Le temps difficile has become our daily or our normal living. Ça devient maintenant notre vie normale. So as a child of God, as a born again Christian, en tant qu'un enfant de Dieu, it is natural for us to face mountains in our daily life. C'est naturel de raconter les montagnes dans la vie. Our spiritual father once said, notre père spirituel nous a dit, the mountains of life, they are real. Les montagnes de la vie sont réelles. They are real. Sont réels. We cannot deny them. On ne peut pas les nier. Being born again Christian does not mean that it cannot be there. Être un chrétien, nouvelle créature, cela n'exclut pas les challenges. But, mais, to God everything it is possible. À Dieu, toutes choses sont possibles. Say amen. Amen. According to the definition of mountain that our spiritual father gave us. Par rapport à la définition que notre Père spirituel nous a donnée concernant les montagnes. Mountains of life. Les montagnes de la vie. It is everything that hinders you. Ce sont les choses qui t'empêchent. Everything that is contradictory to the word of God concerning your life. Tout ce qui est contradiction de la parole de Dieu dans votre vie. Concerning your family. Qui concerne votre your famille. Project. Votre projet, your business. Les affaires. And so forth. Et tout ce que vous avez. Amen. Amen. Let us share quickly in the book of Daniel chapter 3. Allons rapidement dans le livre de Daniel chapitre 3.
From verse 1 to 6. À partir du verset 1er jusqu'au verset 6. I'm reading bit by bit, amen. Mm. Daniel chapter 3. Daniel chapitre 3. From verse 1 to 6. À partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Daniel chapter 3, verse 1 to 6, I read. Mm. Amen. King Nebuchadnezzar. King Nebuchadnezzar made an image of gold, 60 cubits high and 60 cubits wide, and set it up on the plain of Judah in the province of Babylon. Verse 2. He then summoned the satraps, prefects, governors, advisors, treasurers, judges, magistrates, and all the other provincial officials to come to the dedication of the image he had set up. Verse 3. So the satraps, prefects, governors, advisors, treasurers, judges, magistrates, and all the other provincial officials assembled for the dedication of the image that King Nebuchadnezzar had set up, and they stood before it. Verse 4. Then the heraldry loudly proclaimed, nations and peoples of every language, this is what you are commanded to do. Verse 5. As soon as you hear the sound of the horn, flute, zither, lyre, harp, pipe, and all kinds of music, you must fall down and worship the gold image that King Nebuchadnezzar had set up. Verse 6. Whoever does not fall down and worship will immediately be thrown into the blazing furnace. Amen. Amen. According to this story here, we see that the king came up with a law or a rule. Par rapport à cette histoire ici, nous savons que le roi était venu avec la King Nebuchadnezzar came up with a rule that everyone must worship him. Le roi Nebuchadnezzar était venu avec a certain golden image that he created. Il avait fait une statue d'or pour que les gens puissent l'adorer. So whenever they will blow the trumpet, il avait dit que quand le peuple attendra le son des trompettes, they must bow on the floor and begin to worship that golden image. Ils doivent maintenant s'agenouiller et commencer à adorer cette image-là. And it happened that during this time, ça s'est fait que à ce moment ici, we had our brother Shadrach, Meshach, and Abednego. On avait notre bien-aimé Shadrach, Meshach et Abednego. And they found themselves in such a place. Ils étaient aussi dans cet endroit-là. They had no choice but to listen to what the king had ordained people to do. Ils n'avaient pas le choix, ils devraient écouter ce que le roi avait dit. But what I love about them, mais ce que j'ai aimé avec eux, they did not do what the king requested them to do. Ils n'avaient pas obéi à ce que le roi voulait. Yes, they heard what the king said. Ils ont entendu ce que le roi avait dit. But they did not do it. Mais ils n'avaient pas respecté. And it happened that there were Chaldeans that saw that they did not do that. They did not worship the golden image. Quand il a vu qu'ils n'ont pas voulu adorer cette statue-là. If you read further, you will see that the king became very angry. Si vous avancez plus loin, vous allez remarquer que le roi était vraiment en colère. When they told him that Shadrach, Meshach, and Abednego, they did not bow down to worship the image when the trumpet was blown. Quand on lui a dit que Shadrach, Meshach, et Abednego, ils n'ont pas obéi à la sonde des trompettes pour adorer ces statues-là. According to the rule that the king made, par rapport à la loi que le roi avait mis, anybody that will not worship the golden image, tout celui qui ne va pas adorer ces statues-là, will be thrown in the furnace of fire. Il devrait être jeté dans la fournaise ardente. And when he called them, quand on l'a appelé, they brought Shadrach, Meshach, and Abednego to the king. On a amené Shadrach, Meshach, et Abednego chez le roi. And the king's expectation, le roi a pensé, was that these three men were going to deny that they will worship or they are willing to worship the golden image that the king set before them. Le roi pensait peut-être qu'il allait changer leur avis de ce genre ou changer, adorer les statues. I love what they say in verse 17. Sister, please read for us, verse 17. Verset 17. J'aime ce qu'on a dit aussi au verset 17. Daniel chapter 3, verse 17, I read. Amen. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it. Yes. And he will deliver us from your majesty's hand. Praise the Lord. Amen. They say that even if you decide to throw us in the furnace of fire, même si tu nous jettes dans la fournaise, the God that we serve, ardente, le Dieu que nous servons, God of Pastor Daniel and Mama La Flamme, le Dieu de Pastor Daniel et Mama La Flamme, he is able to set us free, he is able to deliver us, he is able to protect us. Il est capable de nous protéger ou de nous délivrer.
Beloved of God, there's something that we must note. Bien-aimé, quelque chose ici que nous devons noter. It is good for us to face mountains of our lives. C'est bien de raconter les montagnes de la vie. Because it is what promotes us to the next level. Pourquoi? Parce que c'est ce qui nous sont en train de nous donner la promotion. In the case of Shadrach, Meshach and Abednego. Dans les yeux de Shadrach, Meshach et Abednego. The mountain that they faced, it was this rule or this law that the king set. Leur montagne était la loi que le roi avait mis placée. The king set this rule. Les rois avaient mis cette loi. They knew that it became a mountain for them because they were serving the living God. C'était une montagne pour eux. Pourquoi? Parce que ils servaient le Dieu vivant. Now, according to one of the keys that our spiritual father shared with us on how to overcome our mountain or how to overturn it. Par rapport aux enseignements que nos parents spirituels nous ont donné parmi les clés. Our spiritual father said that we can overturn our mountain through faith. Nos parents spirituels nous ont dit que nous pouvons dominer ou vaincre les montagnes au travers Now, de la foi. When you're talking about faith, quand nous parlons de la foi, faith is not a religion theory. La foi n'est pas une théorie religieuse. It is not a hopeless, a baseless hope or something that can be measured. Ce n'est pas quelque chose qui doit être mesuré ou l'espoir. When we're talking about faith, quand nous parlons de la foi, we cannot obtain faith through universities. Nous ne pouvons pas recevoir la foi dans l'université. But faith, it is obtained through the word of God. Mais la foi vient de la parole de Dieu. In the book of Hebrews chapter 11 verse 1. Hébreux chapitre 11 verset 1. If we can open it. Si nous pouvons ouvrir nos Bibles. Hebrews chapter 11 verse 1. Hébreux chapitre 11 verset 1. Hebrews chapter 11 verse 1 I read. Amen. Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Yes. Faith is the substance of things that we hope for. La foi c'est l'assurance des choses qu'on espère. In other words, à d'autres termes, faith is the substance of a human spirit. La foi c'est la substance of the human spirit de l'homme intérieur that cannot be seen. Qui ne peut pas être vu physiquement, nor be touched physically, on ne peut pas les toucher physiquement, nor be felt or you can hear it or smell it physically. Tu ne peux pas les sentir physiquement. But it can be obtained or it can be manifested in the realm of the physical. Mais ça peut être obtenu ou manifesté dans le monde spirituel. Remember what our spiritual father shared with us. Notre père spirituel a partagé avec nous. Il a dit il y a deux mondes. Physical world, le monde physique, and the spiritual world, et le monde spirituel. Physical world, le monde it is controlled by a man that is speaking God, the faith-filled words. Le monde physique est contrôlé par la parole de l'homme. Amen. Amen. Now, for you to have victory in the realm of the physical, pour que tu puisses avoir la victoire dans le monde you physique, must first have possession of the realm of the spiritual. Tu dois d'abord avoir la possession du monde spirituel en toi. Amen. Amen. Now what the Shadrach, Meshach and Abednego did here? C'est que Meshach, Shadrach, Abednego they manifested an unbending faith. Ils ont manifesté la foi unbending faith, a faith that cannot be ils ont manifesté une foi solide qui ne pouvait pas être a faith that does not give up because of threat. Ils n'avaient pas abandonné, ils ne pouvaient pas abandonner à cause des situations. They did not fear being thrown in the furnace of fire. Ils n'avaient pas la peur dans furnace of fire did not mean anything to them. La fournaise de ardente n'était rien pour they eux. They served the God who is fire himself. Pourquoi? Parce qu'ils servaient le Dieu qui les fait dévorer de même. Praise the Lord. Alléluia. They did not change their confession based on threat. Ils n'avaient pas à changer leur confession vis-à-vis because de cette challenge. They knew that. Ils savaient que even if they had to bind them, même si on lit, they serve a God who is able to deliver. Nous servons le Dieu qui est capable de nous délivrer. Praise the Lord. Alléluia. That's why wherever you are, partout vous êtes, I am sent. Je suis vraiment this evening. Je suis envoyé cet après-midi to come to your homes or wherever you are watching us from. De venir dans vos maisons partout to tell vous you vivez, that. De vous dire to embrace mountains of life, challenges of life. Embrace it. Oh, vous devez embrasser les challenges de votre vie. It is for your own good. Ça sera pour votre bien. In the book of Romans chapter 8 verse 28. Dans le livre de Romains chapitre 8 verset 28. All things work together for good for them that love Christ Jesus. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. No matter the challenges. Quels que soient les challenges. No matter the time. Quel que soit no matter the hardship or whatever it is that you are going through. Quel que soit le temps difficile que vous passez, vous but with faith,
Mais we can overcome. Au travers de la foi, vous because pouvez vaincre. Faith does not fail. La foi ne suit faith jamais. Is God's language. La foi, c'est la langue de Dieu. La foi, c'est parler la parole de Dieu. The reason why we say faith does not fail. It is because faith is the word of God. La raison pour laquelle nous disons que la foi ne suit jamais, la foi c'est la parole de Dieu. According to the book of John chapter 1 verse 1. Par rapport à l'œuvre de Jean chapitre 1 verset 1. The Bible says in the beginning was the word. La Bible dit au commencement était la and parole. And the word was with God. La parole était avec and Dieu. And the word is God. La parole était so Dieu. So is faith. Faith is God. La foi aussi c'est la même so chose. When la you foi c'est Dieu. Faith in the mountains of your life, lorsque vous appliquez la foi dans votre montagne de la vie, you are relying to God that is going to be able to do whatever it is that vous confiez maintenant à Dieu, vous savez que toutes choses in God there is no nature of failure. Pourquoi? Parce que l'Éternel n'est pas mesuré par God rapport. Does not fail. L'Éternel n'a jamais échoué. He is a God of provision. Le Dieu que nous servons, c'est even un Dieu de provision. Minute, he's able to même dans les dernières minutes, il even est capable in the de last minute, he's able to make a way. Il est capable even de faire le chemin. Even in the last minute, he's able to change your story. Il est capable that's de changer ton histoire. Ça c'est le Dieu que nous servons. Now, if you continue in the story of Shadrach, Meshach and Abednego, si vous continuez avec cette histoire, you will see that the king sent one of the guards to go see if they were burning already. Le roi avait envoyé ce gens pour aller voir si les gens qui étaient j'étais dans la fournaise ardente, j'étais déjà brûlé. The king was angry, very angry. Le roi était vraiment and très fâché. And he told the guards to multiply the fire times 7 before they threw Shadrach, Meshach and Abednego in there. Il avait envoyé ces gens de multiplier les feux jusqu'à septième fois. So when the guard went to see them, quand les gens sont partis he came voir, back to the king giving the report. Ils sont venus with the report à dire au roi that we saw three men free in the midst of the fire, and we saw the fourth man with them. On a vu trois personnes qui est libre au milieu de feu, et on a vu une quatrième personne. The fourth man, according to the guard, he said he has an appearance of the Son of God. La quatrième personne a l'apparence de fils de l'homme. Praise the Lord. Alléluia. According to our spiritual parent, the way they taught us. Comme nos parents spirituels par rapport à ce qu'ils nous ont dit. They told us that the Holy Spirit of God is the invisible Jesus. Il nous a dit que le Saint-Esprit, ce Dieu invisible. So the person that the fourth person that was there with them. Quatrième personne qui était venue avec eux. It is the Holy Spirit of God. Il était le Saint-Esprit now, de Dieu. When we're talking about faith. Quand nous parlons de la foi. It is the language of the Holy Spirit of God. C'est le langage du Saint-Esprit de that Dieu. That is the language that the Holy Spirit of God understands. Ça, c'est le langage du Saint-Esprit de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Faith causes us. La foi nous cause. It causes us to rest. Ça nous pousse de se reposer. Rest, yes. That's what you see. Even in the book of Mark chapter 4 verse 39. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans le livre de Marc chapitre 4 verset 39. Jesus, sister Francis, please read for us Mark chapter 4 verse 39. Marc chapitre 4 verset 39. Ils ont écrit. Mark chapter 4 verse 29 I read. Amen. As soon as the grain is ripe, he puts the sickle into it because the harvest has come. Praise the Lord. Amen. According to the book of Mark chapter 4 verse 39. Mark chapter 4 verse 39. Mark chapter 4 verse 39 I read. Amen. Amen. He got up, rebuked the wind and said to the waves, quiet, be still. Then the wind died down and it was completely calm. Here, it shows us one of the demonstrations of faith. Ici, ça nous montre quelque chose. That faith gives us confidence. L'une des démonstrations qui and nous donne la confidence. And it gives us rest. It makes us enter to rest. Qui nous fait que nous puissions vraiment because nous reposer. Because faith is not a man's work. La foi, ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un. It is not a man's might, but it's God's strength himself, God's might himself. La foi n'est pas une pensée de quelqu'un, mais c'est now, there's many ways to deal with the mountains. Il y a beaucoup de sortes que nous pouvons traiter avec les montagnes. Others, they decide when they see or they face mountain before them. D'autres ont décidé quand ils vivent les montagnes they choose to turn back. Ils prennent la décision de reculer. To make the mountain their habitation, to make it their lifestyle. Ils ont choisi les montagnes de devenir leur vie to make it their lifestyle, yes. Yeah. But then I am sent for people that mais moi, je suis that use the mountain of life. Je suis là pour les gens qui they prennent put les montagnes their faith vie, to work qui mettent leur foi and they fly over the mountain et de voler so,
I'm sending for people today. Je suis envoyé that pour les gens. Willing to put their faith to work. Les gens qui ont pris la décision so de mettre leur foi de travailler pour qu'ils puissent vraiment aller de l'avant. Praise the Lord. Amen. In the book of 1 John chapter 5 verse 4. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 4. The Bible says. La Bible dit. Whatsoever is born of God. Tout celui qui est né de Dieu. Overcome it. Triomphe le monde. No matter what. Quel que soit. As long as you are born of God. Tant que tu es né as long de as you Dieu, accepted Jesus Christ as your Lord and Savior. Tant que tu as déjà accepté Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. You are living now. Tu vis maintenant in the life dans la vie of God's word, in the realm of the word of God. Tu vis maintenant dans le monde de la parole de Dieu. Everything, every creation lives according to its source. Toute création vit par rapport à ça. Toute créature vit par and rapport for à us, ça. Born again Christians or believers, nous, étant que chrétiens, we must nouveau, live by the word of God. Nous devons vivre because selon that la is parole. The producer of faith. C'est ça qui est le producteur de la foi. In the book of Isaiah chapter 40 verse 31. Dans le livre d'Isaïe chapitre 40 verset 39. Book of Isaiah chapter 40 verse 31. Isaïe 40 chapitre 31. Isaiah chapter 40, verse 31. Isaiah chapter 40, verse 31. Isaiah chapter 40, verse 31, I read. Amen. But those who hope in the Lord will renew their strength. Mm. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Yes. But those who have hope in the Lord will renew their strength. In other words, those who will trust in the Lord, they will renew their strength. À d'autres termes, ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. In other words, à d'autres termes, there is no strength for us believers. Il n'y a pas la force en nous chrétiens. Without us walking by faith. Sans que nous puissions marcher par la foi. It is impossible to please God without faith. C'est dit dans le livre de Hébreux chapitre 11 verset 6. C'est impossible de plaire à Dieu sans la foi. For us to please God. For us to please God, pour que nous puissions plaire à Dieu, we have to walk by faith. Nous devons marcher par now, la foi. Now, wherever you are, partout vous êtes, we are about to pray. Nous allons prier. I want you to stand up. J'aimerais que vous puissiez vous mettre. Remember, faith. It's for us. For you to tell us that you are a man or woman of faith. Pour que tu puisses nous dire que tu es un homme ou une femme de la foi. Even during prayer time. Même le temps de la prière. Your action. Votre action, your attitude, votre attitude, it will show us that you are a man or woman of faith. Ça va nous montrer que vous êtes un homme ou une femme de la so foi. So we are going to pray. Nous allons prier. A prayer of faith. La prière de la foi. Spiritual mother told us. Notre maman spirituelle nous a dit. You cannot change a situation. Tu ne peux pas changer les situations. That you familiarize yourself with. C'est que tu es déjà habitué. In other words, avec ça. Change does not come by just sitting down. À d'autres termes, le changement ne vient pas you quand tu passes les pas. And do something. Tu dois te mettre debout et faire quelque if chose. If you have to practice your faith, si tu veux pratiquer because ta remember, foi, faith is not just talking. La foi n'est pas seulement parler. Faith it is believing what you are saying. La foi c'est croire it is à ce believing que tu dis. In the word of God. C'est croire à la parole de in Dieu. What God says. C'est pratiquer ce que l'Éternel te dit. And the evidence will be seen as your testimony. Et l'évidence va se voir. So we're going to pray. Nous allons prier. I want you to repeat after me. Say, my Father, my Father. My Father, my Father. Every spirit that is surrounding me has a mountain. Causing limitation in my life. Causing me to stop in the same place that I stopped last year. Causing me to stop in the same way that I stopped last Sunday. I command it to be broken. I command it in the name of Jesus Christ. Every mountain, we must repeat the same
Le même chose, mon Dieu. Toi, tu fais Santa le Seigneur de l'animation. Et la matérie, mon la même dimension. Oh, nous adorons cela. Au nom de Jésus-Christ. Nous adorons cela. Au nom de Jésus-Christ. Il est le beau Santa Yamata. Alléluia, le beau Santa Yamata. I come here, 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 I come
Beloved of God, we are going to pray. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prier. Every spirit, tout esprit, of anti-breakthrough, qui est l'anti-progrès, that wants us to stop, qui veut que nous puissions nous arrêter, that does not want to see the glory of God manifesting in our life, qui ne veut pas que nous puissions manifester la gloire de Dieu. We are going to command it to die. Nous allons commander in Jesus' mighty name, in the name of Jesus. Le prophète, malgré le chat, malgré la vie,
Repeat after me, say, my father, my father. My father, mon père, mon père. Every power. Every power. Assigned. Assigned. To render my life useless. To render my business. To render my life useless. To render my life useless. Every power. Every power. That the enemy put before me. That the enemy put before me. Devant moi. To make me useless. De me faire échouer. To render my business useless. To render my family useless. To destroy my life. To destroy the will of God in my life. To destroy the will of God in my life. I command you to die in the name of Jesus Christ. I command you to die in the name of Jesus Christ. Every spirit assigned to render you useless, to render your life useless, to render your children useless, right now, command you to die, die. Holy Ghost, be peaceful, the Lord of the devil, be peaceful.
Nous allons appeler l'effet du Saint-Esprit. To destroy, de détruire every power, toute puissance, that is sitting upon what was supposed to prosper your life, qui est assis au de, that is blocking the route that God wants you to go through so you can experience breakthrough in your life. La puissance qui nous empêche de ne pas progresser, de ne pas avancer. Be it blocking the relationship, the right people, so that God can take you to the level that He wants you to be in. La puissance qui arrête les relations pour que tu puisses pas être béni au travers toute that, that causes us to be around people that will not take us anywhere. Qui nous cause d'être entouré de blocking au milieu des gens qui sont away from the will of God for us to prosper. Qui bloque notre destinée pour ne pas avancer, we are going aller to command it to die nous by the nous allons détruire ces esprits là au nom de Jésus par le Saint-Esprit. Holy Ghost, fire. Holy Ghost, fire. Put fire in the name of Jesus. Mettez les feux partout, mettez les feux partout. Commencez à faire les feux du Saint-Esprit. Mettez 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 les feux du Saint-Esprit. Je vais te faire un peu de temps.
Right now, I want you to begin to thank God. J'aimerais que tu puisses commencer à remercier Dieu. Thank Him for the strength. Remercie Dieu pour la puissance. Thank Him for He reminded you again. Remercier Dieu pourquoi? Parce qu'il nous a rappelé que notre groupe sanguin that we've received ever since we became born again Christian, qu'on avait reçu depuis qu'on était né de nouveau, has given us the appetite, ça nous a donné l'appétit for the impossibility, de l'impossibilité. Let us thank God. Remercions le Seigneur for everything that we prayed here. Tout ce qu'on a, on vient de prier là. Everything that we learned in our school of faith. Tout ce qu'on avait appris dans notre école de la foi. Nous allons pratiquer and cela. We will see the performance of those. Nous allons voir le résultat in Jesus de ça. Mighty name. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour tout ce qu'on a appris dans l'école de la foi. Je sais que nous allons pratiquer. Oh, c'est là, mon Dieu, c'est là, mon Dieu, c'est là. In Jesus' name we pray, we say amen. Au nom de Jésus Christ. Let us put our hands together for Jesus. Applaudissons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Oui, amen. We thank you. Nous vous remercions. For praying together with us. De prier ensemble avec nous. Don't forget. N'oubliez pas. To check us out on our Instagram account. Si vous avez, nous pouvez nous suivre dans Instagram account. Instagram account. At Daniel. At Daniel. Underscore Mayulu. Underscore Mayulu. And check us also on our YouTube channel. Si tu peux nous chercher aussi dans YouTube channel. Apostle Daniel M. Mayulu. Apostle Daniel M. Mayulu. Amen. Amen. Our announcements are as follows. Nos annonces sont comme ça. On Thursday, jeudi, we are going to have our service at 6 p.m. Nous avons notre service à partir de 18h. Don't forget. N'oubliez pas. We will start our fasting from midnight. Nous jeûnons le mercredi à 0h. Up until 3 p.m. Jusqu'à 15h de jeudi. And then, when it's 6 o'clock. Si, lorsqu'on sera please invite your family, your friends. Invite tes amis, ta famille. To pray together with us from 6 p.m. De prier ensemble avec nous. Be it our Facebook account or our Instagram or YouTube account. Vous pouvez utiliser toutes les comptes que and vous avez. And be free also when you're watching to invite others also. Share with others. Ok, soyez à santé, vous allez, soyez à l'aise. Quand vous voyez, vous regardez, vous êtes live, vous pouvez partager avec les autres. And Sunday, le dimanche, we'll have our morning service from 11 a.m. On aura le service le matin, ça sera à 11h. Amen. Amen. Please share with us your testimonies. Partage avec nous ton témoignage. Because when you are not testifying, quand vous ne témoignez pas, you are robbing God His glory. Tu es en train de voler la gloire de Dieu. Testify, amen. Amen. Send us your testimonies in our number. Envoie-nous votre témoignage dans notre numéro ici. 072-072-25-5-500-00-007. Or, you can send us the testimony via 073-073-78-78-23-1-42.
4:2. Amen. Amen. Oh, if you have any prayer request, si vous avez le sujet de prière, that you would like our man of God to pray for you, vous voulez que l'homme de Dieu puisse prier pour vous, remember, use the same number too. Utilisons le même numéro. Send us your prayer request. Envoie-nous le sujet de prière. Our man of God will pray for you. L'homme de Dieu va prier pour vous. For any special seed that you have, l'offrande spéciale, la semence que vous avez, be it your seed for our school of faith. Peut-être, ça peut être l'offrande de l'école de la foi. I see others, they say that they haven't paid their Easter seed. D'autres jusqu'à présent, ils n'ont pas encore donné leur semence de Feel de free to contact us on the same number. Ce n'est pas You're trop tard. You're offering your seed, whatever seed you have for. Quelle que soit la semence que vous avez, please call us on those numbers. Appelle-nous dans ces numéros que vous avez. And if you would like to sow for the blood of Jesus, si vous avez besoin de semer pour le blood of Jesus, or fire calendar. Oh, notre calendrier d'été. Oh, anointing handkerchief. Les mouchoirs de Oh, anointing sticker. Oh, les stickers, les autocollants. Please, you can SMS or call us. Vous pouvez nous appeler ou nous envoyer. Or WhatsApp us. Oh, the WhatsApp. With the same number that we gave. Avec le même numéro qu'on vous a donné. Amen. Amen. If we're here. Si nous sommes là, we're almost at the end of our service. Nous sommes presque à la fin de notre service. For those that haven't received Christ Jesus as their Lord and Savior, ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur sauveur, maybe you got tired in your Christian life. Peut-être vous êtes fatigué dans votre vie. You can always have a fresh start. Vous pouvez recommencer encore avec. Please let us pray this prayer along with me. Suivez cette prière après moi. Father, I come to you in the name of Jesus. Père, je viens auprès de toi au nom de Jésus. Your word says, ta parole déclare, whosoever shall call upon your name, quiconque invoquera le nom du Seigneur shall be saved. Sera sauvé. I pray and I ask, je prie et je demande, that Jesus will come into my heart, que Jésus de devenir dans mon cœur, be the Lord of my life, que soit le Seigneur de ma vie, according to Romans chapter 10, verse 9 to 10, par rapport à Romains chapitre 9, verset 9, that if thou shalt confess, Romains chapitre 10, verset 9 à 10. That if thou shalt confess, si tu confesses, with thy mouth, si tu crois dans ton cœur et tu confesses dans ta bouche, that Lord Jesus, que Jésus Christ, and you shall believe in your heart, et tu crois dans ton cœur, that God has raised him from the dead, que l'Éternel avait ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. For with the heart, de tout mon cœur, a man believes unto righteousness. C'est en croyant duquel que l'homme parvient au salut. And with the mouth, confession is made unto salvation. Et si tu confesses, tu auras le salut. I confess that Jesus is Lord. Je confesse que Jésus-Christ est Seigneur. And I believe in my heart. Et je crois dans mon cœur. That God raised him from the dead. Que Jésus, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. I am now saved. Je suis maintenant sauvé. I am now a new creation. Je suis une nouvelle créature. I am now a child of God. Je suis maintenant l'enfant de Dieu. In Jesus' name. Au nom de Jésus. After saying this prayer, après avoir confessé cette congratulations, prière, félicitations. You are now a partaker of the divine nature of God. Vous êtes maintenant le participant de la vie divine. Now that you are born again, comme vous êtes né de nouveau là, you have to pay attention to the Holy Spirit of vous God. Vous devez maintenant payer attention ou écouter la voix du Saint-Esprit. Amen. Amen. We thank you so much. Nous vous remercions beaucoup for this wonderful moment that we share together. Pour cet moment merveilleux qu'on a partagé. As our spiritual father says, comme notre papa spirituel nous dit toujours, stay connected. Soyez connectés. To remain blessed. Pour être béni. May God bless you. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez aller sur le Seigneur.